On va attendre un petit peu. Alors, je vois qu'il y a du monde. On va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin pour échanger avec Maître Legris-Lassalle du cabinet DS Avocats. Je suis Véronique Godet, donc je m'occupe de la relation des adhérents au MEDEF Gironde et je vais essayer d'être le support technique et d'animation de Maître Legris-Lassalle. L'idée, c'est de diviser en deux temps cette intervention, une intervention de 40 minutes. Vous aurez l'occasion tout au long de l'intervention de poser vos questions via notre chat. Et ensuite, on se laisse 20 minutes pour répondre aux questions-réponses. Si à tout moment, il y a beaucoup de questions par rapport aux échanges, nous pourrons interrompre la présentation et répondre au fur et à mesure à vos questions. Cette présentation vous sera envoyée à la fin de cette intervention et nous serons à votre disposition pour vous mettre en relation avec Maître Legris-Lassalle. Voilà, je vous laisse la parole, je vais disparaître et réapparaître. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Donc je vois personne, mais vous voyez, c'est déjà ça. Donc on a effectivement 40 minutes, donc je vais aller relativement vite. Ça change un peu pour ceux qui me connaissent de nos formations sur site. Voilà, vous devez attendre ces 40 minutes. Donc on va être assez ambitieux. On va aller à l'essentiel. Sur l'actualité jurisprudentielle, c'est important, à mon avis, notamment dans le contexte actuel du Covid-19, peut-être que de plus en plus, on va se poser la question de signer des contrats qui ne relèvent pas du statut des baux commerciaux. Et donc, il y a la question, effectivement, des baux de courte durée, principalement. Comme vous le savez, on peut faire des baux de courte durée dans la limite de 3 ans, et donc ça permet d'éviter le statut des baux commerciaux. Mais il faut être très prudent, et c'est notamment une jurisprudence du 12 décembre 2019, qui prévoit que si le locataire est resté dans les locaux, sans que le bailleur n'ait manifesté son opposition, un mois après la fin du contractuel du bail, donc si le bail prenait fin au 31 décembre, si le bailleur n'a rien fait au 30 janvier, il y a un bail commercial automatiquement. Donc, j'attire vraiment l'attention des bailleurs là-dessus, c'est-à-dire que clairement, ce n'est pas parce que dans le bail de courte durée, il est écrit noir sur blanc que le locataire n'aura le droit à rien, pas le droit à la propriété commerciale, ça suffit. Il faut absolument que le bailleur, avant le terme d'un délai d'un mois après la durée contractuelle, manifeste par une lettre recommandée, clairement c'est mieux, son souhait de récupérer les locaux. Si c'est fait, ça suffit. Même si après le locataire reste dans les locaux, ça suffit, mais encore faut-il le faire. Deuxième jurisprudence importante, c'est le 1er février 2018. Elle est relativement ancienne, mais elle est importante. C'est-à-dire que il y avait des cas où les parties avaient signé un bail commercial, le locataire avait donné congé, et puis finalement, il voulait rester un peu plus longtemps parce que, par exemple, il n'avait pas trouvé les nouveaux locaux ou les nouveaux locaux n'étaient pas prêts. Et se posait la question donc de signer un bail de courte durée après un bail commercial.
jusqu'à cette jurisprudence qui a été confirmée depuis, cela n'était pas possible. Pourquoi ? Puisque les baux de courte durée ne peuvent être signés que lors de l'entrée dans les lieux. Et par définition, si j'avais un bail commercial plus un bail de courte durée, il n'y avait pas d'entrée dans les lieux, le locataire restait dans les locaux. La situation était différente, s'il sortait, il revenait. Donc, jusqu'à récemment, on ne pouvait pas signer bail de courte durée après un bail commercial. L'alternative, c'était, selon moi, de décaler les effets du congé ou de signer un protocole d'occupation. Cette jurisprudence, maintenant, permet de signer un bail de courte durée en considérant qu'il y a une entrée dans les lieux juridiques différente. Je suis entré dans les lieux juridiquement pour un bail commercial, j'entre dans les lieux juridiquement pour un bail de courte durée. Donc, c'est possible. Moi, je suis un peu dubitatif malgré tout sur les jurisprudences que je ne comprends pas très bien. Bon, mais c'est possible. Voilà, sachez-le, on peut continuer à faire ce que j'avais préconisé au départ ou faire un bail de courte durée, c'est à voir. Si on est bailleur, moi, je préfère quand même faire un protocole d'accord ou différer les effets du congé. Pour un locataire, c'est peut-être un peu différent. Sur la contractualisation du bail, j'attire juste votre attention qu'il n'y a pas du tout d'obligation de signer un bail pour qu'il y ait bail. Contrairement au bail d'habitation, en fait, on peut rapporter la preuve par tout moyen de ce qui est un accord sur le bail. Il suffit juste effectivement qu'il y ait un accord sur le loyer et l'objet. Et donc, un échange de mail peut valoir signature du bail ou renouvellement d'un bail. Donc, soyez extrêmement prudents dans vos échanges, puisque effectivement, ce n'est pas forcément connu, mais voilà, il n'y a pas l'obligation d'avoir un bail signé pour qu'il y ait bail. Même chose, cette jurisprudence du 17 mai 2018, il n'y a aucune obligation dans le cadre de la signature d'un bail d'avoir un diagnostic technique amiante. Pour autant, bon, bien sûr, si on est locataire, on a intérêt à le demander pour éviter toute difficulté ultérieure. Et un bailleur pourrait avoir un réflexe de ne pas le communiquer pour ne pas créer de difficultés lors de la négociation. Mais quand même, ma préconisation, c'est de l'annexer. Pourquoi ? Parce que si dans le bail, après, il y a un transfert des obligations amiantes sur le locataire, et que l'on n'a pas initialement informé le locataire sur l'état des locaux au regard de l'amiante, eh bien, il y aura un risque de contentieux et de refus des juges de transférer la charge des travaux de désémontage au locataire. Donc ça, il faut être quand même assez prudent. Dernière jurisprudence du 17 octobre 2018, un bail de courte durée, pour les baux de courte durée dont on vient de parler, il n'y a pas d'obligation d'annexer un état des risques et pollutions. C'est du détail, mais ça permet de réduire la taille des baux. La destination d'un bail, il faut être très précis là-dessus. Jurisprudence donc de Cour de Paris du 16 janvier 2019, la destination était restaurant et il n'avait pas été écrit noir sur blanc qu'il n'y avait pas d'extraction d'air. Et donc clairement, il y avait besoin d'une extraction d'air et la jurisprudence a considéré qu'effectivement cette extraction d'air était à la charge du bailleur et à partir du moment où on n'a pas pu obtenir cette extraction d'air, le locataire a pu obtenir la résiliation du bail. Il aurait pu obtenir aussi des dommages intérêts. Donc il faut être extrêmement prudent quand on est bailleur et qu'on consent un bail à usage de restaurant de bien exclure l'extraction d'air, sinon c'est à la charge du bailleur. L'indexation, rapidement, ma préconisation, c'est quand vous soyez bailleur ou preneur de très très bien rédiger ces clauses puisque sinon elles pourront être réputées non écrites. Donc, il y a une jurisprudence qui a consacré le principe de réciprocité. Donc, il faut absolument qu'elle joue à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2016. Oui, c'est cela, pardon. Donc, il faut vraiment que l'indice varie à la hausse ou à la baisse. On ne peut pas prévoir d'interdiction de baisse. Sinon, clairement, la clause sera réputée non écrite et les bailleurs ne pourront pas demander le loyer d'indexation pour le futur. Et pour le passé, le locataire pourra demander le remboursement sur 5 ans. Donc, c'est un peu… Enfin, en tout cas, voilà le risque. Il y a toutefois des jurisprudences sous-jacentes, notamment celle du 6 février 2020, qui ont tendance à atténuer les conséquences de clauses mal rédigées. On l'avait déjà vu sur les clauses d'annexation qui se référaient toujours au même indice de base. En gros, on signait un bail à telle date et on disait que c'était le premier trimestre 2020 et tout 2020 et on comparait à 2021, 2022, etc. Donc ça, ça avait été reconnu valable. Je préconise de ne pas faire ce genre de signature, d'être extrêmement de clause, mais d'être extrêmement précis. Et il y avait le cas où, effectivement, le loyer était indexé annuellement, mais on avait pris une variation des indices sur plus d'un an. Et ça, ce n'est pas possible. En gros, quand on indexe le loyer sur un an, il faut que les indices aient couru sur un an. Lorsqu'on ne respectait pas ça, toute la clause était réputée non écrite. Donc, c'était quand même assez problématique. La jurisprudence récente, donc je viens de vous parler 6 février 2020, considère que s'il y a une distorsion que sur un an, et ben c'est la distorsion sur un an qui est réputée non écrite, mais la clause reste valable. Voilà. Donc il faut faire très très peu. Je vais assez vite, je vous laisserai regarder parce qu'il y a pas mal de jurisprudence, comme vous voyez, hein, et si on remonte sur une dizaine d'années, il y a énormément de cas. Donc
il ne faut pas faire preuve de créativité tant sur le choix de l'indice que sur la rédaction. Voilà. Mais on aura, je pense, l'occasion de revoir ça lors d'une formation in situ au MEDEF, où on l'a déjà fait dans le passé sur la rédaction. Voilà. Sur le loyer de renouvellement, bon, les loyers binaires, je pense que ce n'est pas vraiment… ça vous arrive assez rarement, c'est la jurisprudence du 3 novembre 2016. Bon, il est clair que le juge peut statuer sur les conditions de fixation du loyer de renouvellement lorsqu'il y a un loyer binaire, c'est-à-dire un loyer minimum garanti et un loyer variable. Mais on ne peut pas exclure que dans les années à venir, les prochains mois d'ailleurs avec le Covid-19, il y ait pour les commerces une multiplication des loyers totalement variables ou LMG, loyer minimum garanti, est variable pour tenir compte effectivement de la reprise d'activité qui va être difficile vraisemblablement. Donc ça, peut-être que dans les prochains mois, vous allez négocier peut-être d'ores et déjà pour les baux en cours ou pour les nouveaux baux des loyers qui soient que fixés sur la base d'un variable de chiffre d'affaires ou d'un taux d'effort. Et je le constate déjà dans les négociations post entre guillemets Covid. Sur les charges, attention, ces jurisprudences, il y en a énormément du 6 février 2020 qui prévoit que le transfert des mises aux normes sur le locataire aura un effet sur le loyer de renouvellement. Il y aura un abattement sur le loyer de renouvellement, donc ça peut avoir un impact pour le bailleur et le locataire doit aussi en tenir compte lorsqu'il négocie le loyer de renouvellement. C'était la même chose pour la taxe foncière. C'est-à-dire que si la taxe foncière est répercutée sur le locataire, eh ben celui-ci peut dire ben voilà, mon loyer de renouvellement, peut-être que la valeur locative s'étend, mais vous devez appliquer un abattement pour tenir compte du fait que je paye la taxe foncière. Et cet abattement, il est en général d'environ 10%, donc c'est pas neutre. C'est un peu la même chose avec la cour d'appel de Caen du 2 avril 2020. Si on a une destination qui est extrêmement stricte, c'est-à-dire qu'en gros, je ne peux pas exercer ce que je veux dans le local, en l'occurrence, ça, c'était du prêt-à-porter homme, je ne pouvais pas faire femme ou enfant, eh bien, effectivement, les juges ont considéré que ça entraînait une baisse de 10% de la valeur locative. Donc, il y a un arbitrage à faire entre, quand on est bailleur, bien évidemment, la destination, parce qu'on ne veut pas qu'elle soit trop large pour pas notamment donner la liberté au locataire de changer d'activité et ou de céder son droit au bail, mais la contrepartie, c'est que ça risque, si les juges le voient, si l'expert le voit, si le locataire le voit, d'avoir un impact sur la valeur locative. Jurisprudence assez importante du 23 janvier 2020 qui concerne alors des centres commerciaux, hein, donc c'est assez particulier, mais effectivement le preneur a été indemnisé sur la base de la perte de clientèle, la perte de marge et la perte de chance pour manquement du bailleur à l'obligation de maintenir un environnement commercial favorable, d'entretenir les parties communes et de, puisqu'il y avait une copropriété, de solliciter de la copropriété des travaux. Donc là, clairement, on voit qu'il y a un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. L'obligation de délivrance, c'est d'assurer, de délivrer les locaux tant à la prise à bail qu'en cours de bail. On verra que ça a une incidence dans le cadre du Covid-19, potentiellement. Et effectivement, il doit assurer une jurisprudence paisible. Clairement, ce n'était pas le cas. Il y a eu une indemnisation. Et en contrepartie de ça, il y a la Cour d'appel de Montpellier du 9 juillet 2019 qui confirme qu'effectivement, le bailleur n'est pas tenu une obligation de commercialité face notamment à une désertification du centre. Donc ça, c'est un peu important puisque c'est une constante et ça va peut-être malheureusement se renforcer dans les mois à venir. Clairement, dans les baux aujourd'hui, ensembles commerciaux ou centres commerciaux, il y a souvent une clause qui exclut toute obligation de commercialité. Et même si ce n'est pas écrit, il n'y a pas d'exclusion de l'obligation de commercialité, le bailleur ne sera tenu pour l'instant à une obligation de commercialité que s'il a pris cet engagement dans le cadre du bail. Sur les charges plus en détail, donc on a la tendance, quand on est locataire ou bailleur, forcément, n'est pas la même. Clairement, le principe, au-delà de la loi Pinel, c'est qu'il faut être extrêmement précis dans la rédaction, sinon les charges ne sont pas répercutables aux locataires. Donc on verra tout ce qui est mise aux normes ERP, ben, le principe, cour d'appel d'Agen du 9 janvier 2019, c'était la charge du bailleur. Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2020, il y avait pas de clé de répartition des charges, et ben, la taxe sur les bureaux n'était pas répercutable sur le locataire. Alors là, on a une jurisprudence qui est un peu surprenante du 12 septembre 2019, puisque la tendance de la jurisprudence, qui est très stricte pour les bailleurs, c'est de dire si on ne vise pas expressément toutes les charges, elles ne sont pas refacturables, alors même qu'on a prévu que le bail était un triple net, c'est-à-dire en gros que tout était refacturable dans la limite de Pinel.
Donc, en gros, pour pouvoir refacturer la taxe foncière, le principe, c'est qu'il fallait qu'on écrive noir sur blanc taxe foncière. Et la seule clause qui disait tous les impôts sont à la charge du locataire n'était pas suffisant. Et là, on a une jurisprudence qui est un peu l'inverse, qui dit, c'est pas visé expressément la taxe foncière, mais en gros, on avait écrit noir sur blanc que tous les impôts étaient à la charge du locataire. Donc, c'est bien transférable. Cette jurisprudence est un peu surprenante. Donc, la question, c'est est-ce que c'est un cas isolé, mais on est devant la Cour de cassation, ou est-ce que ça va être un changement de tendance de la jurisprudence après la loi Pinel, finalement, parce que la loi Pinel a dit expressément ce qui était refacturable et non facturable. Notamment, il est expressément prévu que la taxe foncière est refacturable, donc peut-être que par ce biais-là, et notamment la loi Pinel et 145-35, peut-être qu'il va y avoir une évolution de la jurisprudence qui sera un peu plus favorable aux bailleurs. Donc clairement, quand on est bailleur, on a intérêt à avoir un bail très très précis sur les charges, et quand on est locataire, c'est l'inverse. Voilà, comme ça, on peut l'utiliser le cas échéant dans le cadre d'une négociation ou d'un contentieux. Sur les cessions de droit au bail, aujourd'hui on sent, et peut-être encore plus demain, qu'il y a une tension sur les cessions de droit au bail, les bailleurs voulant s'accaparer la création de valeur. C'est-à-dire quand il y a une différence entre le loyer payé et le loyer de marché, ben effectivement, ça crée de la valeur que peut céder son droit, que peut céder le locataire à un tiers. Et effectivement, ben la création de valeur, le différentiel de loyer, il est pour le locataire et pas le bailleur. Les bailleurs, quand même, comme la cession de droit au bail en général est interdite, essaient de renégocier le loyer. Et ça entraîne souvent des blocages, puisque le locataire veut quasiment un loyer de marché. Ce qui n'est pas possible, puisque si on y a un loyer de marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre le loyer qui était payé et le loyer de marché, et donc il n'y a pas de droit au bail. Donc potentiellement, il n'y a plus d'indemnité pour le preneur qui cède son droit au bail, et donc il y avait des blocages. Là, il est prévu noir sur blanc, si le bailleur s'oppose de façon discrétionnaire et de façon non légitime à la cession de droit au bail, le locataire peut obtenir des dommages et intérêts. Il ne pourra obtenir que des dommages et intérêts et pas d'exécution forcée. Mais bon, c'est un moyen, si vous voulez, de mettre la pression sur votre bailleur s'il s'y oppose. C'est une jurisprudence donc, du 31 janvier 2018. Par ailleurs, vous pouvez toujours, quand vous êtes locataire, essayer de céder le droit au bail, le fonds de commerce, parce qu'en général, elle est autorisée ou elle est soumise à l'autorisation du bailleur, puisqu'encore une fois, on ne peut pas interdire une cession de fonds de commerce, mais on peut la soumettre à l'autorisation du bailleur. Mais clairement, lorsqu'on ne peut pas céder le droit au bail, certains locataires essaient de céder le fonds de commerce, même si c'est finalement une cession de droit au bail déguisée. Il faut faire attention, puisque si, mais c'est cette jurisprudence du 13 novembre 2019, si effectivement c'est une cession frauduleuse en fait du droit au bail, sous la forme d'une cession de fonds de commerce, notamment quand il n'y a pas de clientèle, eh bien elle est frauduleuse, et ça peut permettre au bailleur donc de dire que la cession de fonds de commerce est inopposable et de résilier le bail. Voilà. Dernier point sur la cession, c'est cette jurisprudence du 11 avril 2019 qui prévoit effectivement, vous savez dans les baux, il est souvent prévu une solidarité cédant-cessionnaire pendant toute la durée du bail, voire ses renouvellements. Ça, c'était relativement contestable. Mais maintenant, avec la loi Pinel, c'est 3 ans à compter de la cession. Et cette jurisprudence du 11 avril 2019 a considéré que c'était d'ordre public. Donc, on ne peut plus y déroger. Mais il n'y a pas d'obligation de le prévoir dans le bail, encore une fois. C'est une clause contractuelle. Donc, s'il n'y a rien qui est prévu dans le bail, il n'y a pas de solidarité. Mais si elle est écrite noir sur blanc, elle ne peut pas dépasser 3 ans. Et s'il est prévu que c'est pendant toute la durée du bail, le locataire pourra demander à ce qu'elle soit appliquée que pendant 3 ans. Sur le droit de préférence, ça a été un sujet, c'est la Cour d'appel de Douai du 12 janvier 2017 qui a été confirmée par la Cour de cassation du 28 juin 2018. Lorsqu'il y a effectivement des frais et commissions d'agence immobilière, si le locataire exerce son droit de préemption, c'est le bailleur qui veut céder les locaux loués par le locataire, si effectivement, et ça pose un vrai problème pour les agences immobilières, donc le bailleur vient voir une agence, l'agence trouve un acquéreur, on exerce donc éventuellement aussi une promesse, on purge le droit de préférence, et là le locataire décide de préempter. Et donc il préempte aux conditions de la cession, à l'exception des honoraires, effectivement, la jurisprudence considérant que le propriétaire doit présenter avant toute mise en concurrence, en tout cas, ou toute mise sur le marché, doit le présenter au locataire. Ce qui pose de vrais problèmes aux agences, parce qu'il est, et même à un bailleur, il est propriétaire, il est quand même compliqué d'apprécier le coût sans mettre sur le marché. Donc clairement, il va falloir changer les pratiques et présenter au locataire avant toute mise sur le marché ou prévoir que, je parle pour l'agent immobilier, prévoir que les honoraires ne sont plus à charge de l'acquéreur, mais du vendeur.
Comme ça, effectivement, s'il y a droit de préférence, eh ben, les honoraires sont toujours dus. Alors après, ça aura sûrement un impact sur le prix de cession parce que le bailleur, le propriétaire va vouloir répercuter ses honoraires sur l'acquéreur, ce qui peut augmenter une hausse du prix et donc des droits d'enregistrement. Cette jurisprudence de la Cour de cassation du 28 juin 2018 a prévu par ailleurs que le droit de préférence du locataire était d'ordre public. Donc on voit souvent dans les baux une renonciation du locataire à son droit de préférence et on continue à le voir, hein, malgré cette jurisprudence du 28 juin 2018, ce n'est pas valable. Alors, il faut le savoir, ce n'est pas valable. Et dernier point sur la jurisprudence, faites attention, c'est celle des autres, vous les regarderez en détail, c'est celle de tout en bas du 14 novembre 2019, la libération des locaux est conditionnée par la remise des clés. Ce n'est pas juste une libération physique, il faut aussi les sinon, le locataire reste débiteur des loyers et des charges. Sur l'actualité législative, on va être rapide, puisque effectivement, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a plusieurs choses. Réforme du droit des contrats. Tous les contrats à compter du 1er octobre 2016, effectivement, sont soumis à cette réforme du droit des contrats. La question, c'est est-ce que ça s'applique aux baux commerciaux ? On peut se poser la question. Il y a un certain nombre d'articles qui sont importants. Le plus important est peut-être l'article 1195 que l'on va voir après dans le cadre du Covid. Donc, je vais aller assez vite là-dessus. On me posera le cas échéant des questions, mais je crois qu'il faut, il faut avancer là-dessus. Mais c'était important de le rappeler. Donc, c'est tous les contrats conclus ou renouvelés, donc les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016 et pas avant. Hein, les contrats qui sont en cours, ça ne s'appliquera pas, mais lors des renouvellements, ça s'appliquera. La loi Elan, pareil, ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous, sauf pour effectivement les locaux situés dans les zones des opérations de revitalisation du territoire. Et en fait, l'idée, c'est de protéger les locaux d'habitation. Voilà, pour éviter effectivement qu'un locataire commercial prenne un immeuble en entier, alors même qu'il n'utilise pas les locaux d'habitation pour l'habitation. Sur l'actualité législative, c'est clairement le dernier point sur le plafonnement et l'encadrement du loyer de 10%. Comme vous devez peut-être le savoir, le loyer par principe est plafonné. S'il est plafonné, avec la loi Pinel, l'augmentation annuelle ne peut pas dépasser 10%. Donc il y a eu une QPC comme on dit, qui a été soumise par la Cour de cassation au Conseil constitutionnel pour savoir si effectivement ce mécanisme qui fait que par exemple on avait un loyer en cours qui était de 100, un loyer, une valeur de locative déplafonnée de 200, non, juste avant Pinel on pouvait appliquer immédiatement les 200, après Pinel en fait vous ne pouvez appliquer l'augmentation qu'à hauteur de 10%, donc la première année on aurait 100 plus 10%, donc ça fait 110 au lieu de 200. Donc la question, c'est est-ce que ça a porté atteinte au droit de propriété ? Puisque effectivement, la conséquence de ce lissage, c'est que finalement, le loyer augmente moins rapidement et ça crée aussi, en termes de droit au bail, ça donne de la valeur au bail qui est effectivement encadré. Donc en fait, la question, c'était est-ce que ça a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur ? Donc, ça vient d'être confirmé donc, le 7 mai 2020, ce lissage encadrement de 10% est valable. Et finalement, ce n'est pas très étonnant parce que, comme je vous l'ai dit, le principe pour les baux de 9 ans, c'est qu'il y a un plafonnement et la Cour de cassation s'était déjà prononcée là-dessus en disant qu'effectivement, c'était valable. J'attire juste votre attention sur le fait que l'encadrement de 10% ne s'applique pas pour les baux en tacite prolongation de plus de 12 ans. C'est important et on a une jurisprudence qui l'a consacrée et ça ne s'applique pas aux baux qui ont une fixation de loyer spécifique comme les bureaux. Idem pour les loyers avec un variable sur le chiffre d'affaires. Rapidement, et c'est important, il y a deux ordonnances qui sont liées. Donc, on rentre maintenant dans le Covid, hein, ce qui est le dernier point. On est à 24. Alors, ça fait un peu moins de 20 minutes qu'on a commencé. Donc, on est dans les temps. On va rentrer maintenant sur la troisième partie qui est vraiment d'actualité sur le bail et le Covid. Donc, il y a eu effectivement pas mal d'effets d'annonce. Du président de la République, puis du gouvernement. Il y a eu pas mal de textes qui ont été pris. Il y a une loi d'habilitation du 23 mars 2020. Et suite à cette loi qui a prévu, qui a habilité finalement le gouvernement à prendre des ordonnances visant à, comment dirais-je, à prendre en considération les effets du Covid-19 et à aider notamment, bien évidemment, les entreprises. Et dans le cadre des baux commerciaux, effectivement, il y avait eu des annonces comme quoi, et c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, effectivement, il y aurait une suspension. Alors, au départ, c'était une suspension des loyers. Donc, effectivement, l'attente
notamment bien évidemment des locataires, était une ordonnance qui allait prévoir que pendant la période d'état d'urgence sanitaire, qui est due alors aujourd'hui du 12 mars au 10 juillet, il y ait une neutralisation totale des loyers. On va le voir, en fait, dans le cadre de cette ordonnance du 25 mars 2020, la situation est un peu différente, voire assez décevante pour, en tout cas, les locataires qui souhaitaient en bénéficier. Alors, les bénéficiaires, tout d'abord, il y a eu beaucoup de textes. Donc, il y a eu cette ordonnance du 25 mars, puis il y a pas mal de décrets du 30 et 31 mars, 2 et 16 avril, 12 mai. L'idée, c'est qu'il y a eu une évolution du champ d'application de cette mesure. Donc aujourd'hui, c'est figé, mais c'était loin d'être le cas. Donc ça concerne les personnes physiques ou morales de droit privé résident fiscal français et exerçant une activité économique. Ça, c'est le premier point. Et après, il y a un ensemble de critères qui sont quand même, vous allez le voir, que j'ai résumé, hein, mais qui sont assez lourds. Donc pour pouvoir bénéficier de cette mesure, ne pas s'être trouvé en liquidation au 1er mars 2020, un effectif inférieur ou égal à 10 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, ou s'il n'y a pas d'exercice clos, un chiffre d'affaires mensuel entre la date de la création de l'entreprise et le 29 février, inférieur à 83 333 euros. Si c'est une association, il faut être assujetti aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié. Il ne faut pas être contrôlé par une société commerciale, c'est-à-dire à hauteur de plus de 50%. Et il faut avoir fait soit l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars et le 31 mars 2020, soit avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Entre le 1er mars et le 31 mars. Donc on voit effectivement les bénéficiaires, c'est quand même extrêmement strict. Et donc il faut remplir tous ces critères et il faut pouvoir en justifier. Une fois si on a réussi à rentrer dans le champ d'application de cette ordonnance, après il y a effectivement la portée de cette ordonnance pour les locataires. Alors encore une fois, c'est l'article 4. Il n'y a absolument pas de suspension du paiement des loyers, c'est-à-dire qu'en gros, les loyers restent dus, sauf que cet article 4 prévoit que ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages à intérêts d'astreinte ou d'exécution de clauses résolutoires, de clauses pénales, d'activation, ça c'est important, de garantie ou de caution, en raison du défaut de paiement du loyer ou des charges entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de 2 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Donc, deux choses, ou trois choses même. Il y a, initialement, c'était le défaut du paiement, on ne parlait que des loyers, donc ça aurait dû concerner que le défaut de paiement du loyer. L'ordonnance est allée au-delà de la loi puisqu'elle vise les charges locatives, donc ça pour les locataires, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la période, donc c'est 12 mars jusque 10 juillet plus 2 mois, 10 juillet puisque effectivement c'était l'état d'urgence sanitaire a été décalé au 10 juillet, donc plus 2 mois, donc en gros très clairement les bailleurs ne peuvent pas demander de pénalité, intérêt de retard, etc. pour la période 10 mars, 10 septembre. Donc ça c'est effectivement pour le locataire plutôt une bonne chose. La vraie question c'est est-ce que effectivement après le 10 septembre les bailleurs pourront recouvrer agir en tout cas les pénalités, intérêts de retard, etc. pour la période antérieure au 10 septembre. C'est un vrai sujet et bon, c'est pas neutre puisque effectivement cette période-là du 10 septembre, elle couvre en gros le deuxième trimestre et une grande partie du troisième trimestre puisque finalement il y aura 20 jours sur le troisième trimestre qui ne seront pas dans la période d'état d'urgence sanitaire. Donc ça, c'était la première ordonnance. La deuxième, elle ne vise pas expressément les loyers, ou en tout cas les loyers et les charges, c'est l'ordonnance, c'est aussi du 25 mars 2020, et il y a une autre ordonnance du 13 mai 2020, qui prévoit donc, en son article 4 aussi, les astreintes, les clauses pénales et les clauses résolutoires, ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, leurs effets sont reportés d'une durée, en fait, au-delà, bien sûr, alors là, c'est une période qui est au 23 juin 2020, qui a été précisée, il y a eu des débats, mais là, c'est très clairement écrit, notamment dans l'ordonnance du 13 mai 2020. Donc, toutes les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires qui auraient été engagées ou qui seraient en cours entre le 12 mars et le 23 juin inclus, ne peuvent pas produire leurs effets. Et leurs effets sont reportés d'une durée, effectivement, égale à ce qui, entre le délai qui avait couru jusqu'au 12 mars, et après la fin de l'état d'urgence au 23 juin. Donc typiquement, si j'avais, par exemple, délivré un commandement aux clauses résolutoires le 2 mars,
Comme vous le savez, pour pouvoir l'activer dans le cadre d'un contentieux, il faut attendre 30 jours. Donc, 12 mars, donc 2 mars, 10 mars, il y avait 10 jours. C'est gelé à partir du 12 mars. Et à partir du 23 juin, bah, effectivement, il faut rajouter 20 jours. Il n'y a pas 30 jours, il n'y a plus que 20 jours. Et au bout de 20 jours, effectivement, je pourrais devant un tribunal pour agir. Donc, en fait, ça ne fait que figer la situation. Mais ce qui est important dans cette ordonnance maintenant, c'est qu'avant, il y avait une vraie incertitude sur la période qui était concernée par ce gel des effets des astreintes et autres. Là, maintenant, clairement, c'est précisé. Ce qui est intéressant, c'est quand même que ces dispositions ne sont pas applicables aux délais et aux mesures ayant fait l'objet d'autres adaptations particulières. Donc, typiquement, les gens qui bénéficieront, enfin, les entités, les commerçants qui bénéficieront des dispositions de l'ordonnance dont je viens de parler, ne pourront pas se prévaloir cela, ce qui est assez logique. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'effectivement, là, il n'y a pas de champ d'application, enfin, pour les bénéficiaires. C'est-à-dire que les bénéficiaires, il n'y a pas de limitation, pardon, ce qui fait que les locataires qui ne bénéficieraient pas de la première ordonnance pourront se prévaloir de celle-là. Voilà. Ce n'était pas du tout prévu comme ça, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une vraie tendance. Dernier point, donc il nous reste à peu près 10 minutes, mais c'est très bien, c'est quelle est la position bailleur-preneur face au Covid et notamment l'obligation de payer les loyers pendant la période d'interdiction d'ouverture. Donc là, on est pour certains en tout cas plus dans cette période d'interdiction. Comme vous le savez, la majorité des commerces ont ouvert sous réserve de ne pas être dans certains centres commerciaux de plus de 40 000 m² qui ont été sur décision du préfet qui n'ont pas été ouvertes. Enfin, dont l'ouverture était interdite. Et puis après, il y a quand même toute la restauration et l'hôtellerie qui sont quand même concernées par la situation. Donc la question, c'est pendant la période d'interdiction d'ouverture, que peuvent faire les preneurs et quelle est la réponse des bailleurs ? Il y a eu pas mal d'arguments qui ont été invoqués par les locataires, notamment pour ne pas payer le deuxième trimestre, qui était donc 1er avril, le confinement et l'interdiction d'ouverture donc était à partir du 15 mars et donc effectivement pas mal de locataires ont immédiatement agi avant le 1er avril puisque comme vous le savez les paiements sont souvent trimestriels et 3 mois d'avance. Donc lorsqu'on était côté preneur, effectivement la préconisation c'était quand même d'être de bonne foi parce que c'est la base dans un contrat et le locataire a quand même l'obligation de payer le loyer. Donc la première chose à faire c'était quand même de bonne foi d'écrire à son bailleur pour dire je ne paye pas si on souhaitait ne pas payer, bien évidemment, ou demander des aménagements. Donc, les arguments juridiques, c'est l'article 1719, notamment du Code civil, qui, j'en ai déjà parlé, parle de l'obligation de délivrance du locataire tant à la prise d'effet du bail qu'en cours de bail. Et donc, certains preneurs dire, écoutez, je ne peux pas ouvrir au public mes locaux, donc c'est un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, qui est quand même la contrepartie du paiement du loyer. Par ailleurs, il y a eu un confinement de la clientèle à partir du 16 mars, donc je n'ai plus effectivement la possibilité d'exploiter mes locaux, je n'ai plus de chiffre d'affaires, donc je demande le non-paiement du loyer et ou des charges pendant la période de confinement, voire l'annulation, etc. Le bailleur, lui, aura effectivement une approche en réaction aux éventuels courriers qu'il recevra et ou qu'il a reçus, une approche bien évidemment différente, en disant que l'obligation de base du locataire, c'est de payer son loyer, il ne peut pas faire justice à lui-même, plus il pourra se prévaloir des clauses limitatives du bail qui, normalement, transfèrent effectivement les obligations de délivrance à la charge du locataire. Bon, après elle ne peut pas être totale, mais effectivement il y aura à regarder, je me suis déchargé de toute obligation de délivrance, donc effectivement je ne suis tenu de rien. Et enfin clairement le bailleur dira écoutez, cette fermeture elle résulte d'une obligation suite à une décision, un arrêté du 14 mars 2020, donc ça n'est pas imputable au locataire, donc vous ne pouvez pas vous prévaloir d'un manquement du bailleur à l'obligation de délivrance. Voilà. Donc, à mon avis, cette obligation de délivrance, elle ne pourrait être invoquée que dans les ensembles immobiliers centres commerciaux, ou, parce que je précise, dans le cadre effectivement des centres commerciaux et de l'interdiction d'ouverture, jusqu'à ce qu'effectivement les dernières mesures prises dans le cadre du déconfinement et qui est interdit pour l'ouverture pour les centres commerciaux de plus de 40 000 m² sur décision du préfet. Avant cela, effectivement, les centres commerciaux pouvaient rester ouverts pour les commerces autorisés. Donc, un locataire pourra, si le bailleur décide de fermer son centre commercial, effectivement, là, un locataire pourra éventuellement se prévaloir l'obligation de délivrance. Mais je ne pense pas que ce soit l'argument le plus facile à invoquer.
La force majeure est celui que vous avez dû entendre parler, c'est l'article 1218 du Code civil. Il y a trois éléments, c'est l'externalité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Vous verrez qu'il y a une jurisprudence antérieure qui avait tendance à dire que les épidémies n'étaient pas forcément imprévisibles, et peut-être extérieures, mais pas irrésistibles. Donc, c'était les deux derniers critères. On a une tendance à plutôt considérer maintenant que ça s'appliquerait. En fait, toute la question est quand est-ce que vous avez signé le contrat de bail? Si le contrat de bail a été signé il y a 2 ans, effectivement, le caractère prévisible était difficile. Sauf, parce que, enfin, en tout cas, pour le Covid-19, parce que autant la dengue et le H1N1, à l'époque où les contrats avaient été signés, c'était déjà connu, autant le Covid-19, ce n'était pas le cas. Si vous signez aujourd'hui, si vous avez signé depuis mars un bail, clairement, là, le caractère imprévisible ne sera pas retenu. Et après, il y a toujours un élément qui est important, c'est l'irrésistibilité. Et là, jusqu'à aujourd'hui, la jurisprudence est assez stricte. Si, en fait, il y a un cas de force majeure, les deux premiers éléments sont remplis, mais que clairement, je pourrais exploiter, mais ça me coûte juste plus cher, c'est pas suffisant. Là, en l'espèce, quand même, il y avait une interdiction d'ouverture pour un grand nombre. Donc là, le caractère irrésistible, à mon avis, dans le cadre du Covid, juste du Covid, compte tenu de l'ampleur et des mesures prises, pourrait être invoqué. Voilà. Donc, après, les conséquences, si on considère que la force majeure s'applique, les conséquences, c'est si l'impossibilité est temporaire, ce qui est plutôt le cas quand même des commerces aujourd'hui, eh bien, il y aura une suspension de l'exécution et notamment du paiement du loyer. Et l'exécution, le paiement du loyer reprendra à partir du moment où il n'y aura plus cette interdiction. Et si l'impossibilité est définitive, ce qui n'est pas le cas, la partie qui le souhaite peut demander devant le juge la résolution du bail. Donc, position du preneur, eh ben, ce sera clairement de dire qu'il y a un caractère exceptionnel du Covid et que donc les jurisprudences qui existaient jusqu'à présent ne sont pas adaptées au caractère exceptionnel de ce Covid-19. Par ailleurs, ils pourront se prévaloir des premiers effets d'annonce qui ne sont pas du tout juridiques du gouvernement qui avait considéré notamment pour les marchés de travaux que ça n'était pas été écrit dans les textes, mais c'était une communication qui était faite en disant on était vraiment dans un cas de force majeure. Et enfin, se prévoir le cas échéant, il n'est pas à exclure que les juges aient une approche. Si demain il y a un contentieux parce que les bailleurs souhaiteraient exécuter le paiement du loyer, que des juges donc soient saisis et que ces derniers jugent en droit, mais aussi en équité, en considérant que compte tenu du concept, les bailleurs ne sont pas recevables à demander le paiement du loyer compte tenu du caractère exceptionnel en l'espèce. Le bailleur, lui, contestera effectivement sur la base de l'ancienne jurisprudence et en considérant effectivement que ça résulte d'une décision gouvernementale et que donc il n'y a pas ce caractère irrésistible véritablement et qu'en plus ça n'a que des conséquences financières à court terme, etc. Donc il y aura un vrai débat là-dessus. Trois derniers points, et on en aura fini dans les délais avant que vous me posiez vos, j'espère, nombreuses questions. C'est alors l'article 1195, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'imprévision. Donc pour tous les contrats signés à compter ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016, et sous réserve qu'il n'y ait pas eu de renonciation à cette disposition dans le bail. Ça, il faut faire très attention. Mais si effectivement il n'y a pas cette renonciation, en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat, qui en rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son co-contractant et après, s'il n'y a pas d'accord, il peut aller devant le juge pour demander une révision du contrat ou l'annulation du contrat. Donc ça, c'est vraiment un élément, quand on est preneur, effectivement, s'il n'y a pas eu de renonciation et si le contrat est postérieur au 1er octobre, ça permet de demander une révision du loyer à l'amiable et puis après, judiciairement, si nécessaire. Mais encore faut-il ne pas avoir renoncé en 195, et même si on a renoncé en 195, on pourrait vraiment, si on devait faire un contentieux ou répondre à un contentieux, viser d'abord la force majeure et l'imprévision, essayer de soutenir, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les juges, dans certains cas, notamment donc pour ceux d'arrêté de 3 ans, ont expressément prévu que c'était un texte d'ordre public, alors que le législateur ne l'avait pas dit. Il n'est pas à exclure que dans quelques années, ou quelques mois, et notamment dans le contexte actuel, les juges disent en fait, 1195 est d'ordre public, parce que sinon, cette disposition, elle n'a aucun intérêt. S'il suffit d'écrire dans le bail que ce n'est pas applicable, voilà. Le bailleur, lui, effectivement, il aura une approche différente. Il dira écoutez, il est expressément écrit dans le bail qu'on y a renoncé, donc vous ne pouvez pas vous en prévaloir. Et ou dire le bail, il est postérieur, donc ça ne s'applique pas.
Et enfin, il pourra, alors c'est un peu technique, mais il pourra dire, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur le droit des obligations, il y a un principe en droit français, c'est que les dispositions particulières dérogent aux dispositions générales. Donc, est-ce que 1195 s'appliquera au statut des baux commerciaux, qui est un statut spécial et qui prévoit des dispositions spécifiques pour la révision du loyer? Ce n'est pas sûr. Donc, effectivement, les bailleurs ont peut-être tendance à invoquer aussi cet argument. Il y a deux derniers points, et on sera dans les délais. Il me reste, voilà, il est 40, sur l'exception de l'exécution, 1219. Clairement, les locataires pourront soutenir que quand les locaux sont fermés, il n'y a pas d'ouverture possible des locaux, donc je ne paye pas le loyer par voie d'exception. On est en lien avec l'obligation de délivrance, c'est-à-dire que le problème, c'est que l'impossibilité d'ouvrir au public ne résulte pas d'un manquement du bailleur à ses obligations. Donc, il y aura un débat, voilà. Et enfin, c'est souvent oublié, c'est l'article L145-38 du Code de commerce qui permet, en cas de modification matérielle des facteurs locaux de commercialité, de demander au moins 3 mois après la signature du bail ou de la révision du loyer, et si ça a entraîné une baisse de plus de 10% de la valeur locative, de faire réviser la valeur à la baisse sans limite par le juge des loyers. Donc ça, cette disposition est très importante parce que si on n'a rien, cette disposition permet, s'il y a une modification matérielle des facteurs locaux, et il n'est pas à exclure que malheureusement, du fait du Covid, il y ait une modification et que ça a un impact de plus de 10% sur la locative, si vous n'avez rien, finalement, L145-38, sous réserve que le bail ait couru au moins 3 ans, et je précise bien, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas comme les congés où si c'est tous les 3 ans, et si vous loupez le coche, il faudra attendre 3 ans. Là, c'est une durée minimum de 3 ans, mais après, vous pouvez le demander à tout moment. Ce qui est intéressant dans cette disposition, c'est qu'effectivement, pour les locataires, il suffit d'envoyer une LRR en respectant les conditions de forme, et ça fiche la situation. C'est-à-dire qu'après, vous pouvez faire un contentieux 2 ans après, enfin oui, moins de 2 ans, parce qu'après, c'est prescrit, pardon, mais dans la limite de 2 ans, et le loyer sera rétroactivement fixé à la date de réception de la lettre recommandée avec l'écrit de réception. Donc là, il y a un travail à faire quand vous êtes locataire avec les agents immobiliers pour essayer de voir s'il y a une modification des facteurs locaux et ou une baisse de valeur locative. Il faut notamment valider cette valeur locative parce qu'il serait dommage d'engager cette procédure et qu'il y ait une augmentation de valeur locative par rapport au loyer en cours. Donc il y a un vrai travail à faire côté preneur, hein, peut-être pour pousser la négociation, envoyer donc cette LRAR, essayer de trouver un accord pour figer la situation, ne pas attendre si on est sûr que les valeurs locatives ont baissé, et le bailleur, effectivement, de dire que, vérifier, à mon avis, il faut qu'il anticipe. Est-ce qu'il y a une baisse des valeurs locatives? Je pense que ce sera difficile de le savoir dès maintenant, mais peut-être que dans 1 ou 2 mois, malheureusement, il y aura un impact sur les valeurs locatives et donc sur l'attractivité. Vérifier, anticiper une modification et ou peut-être négocier. Négocier avec son locataire, accepter de négocier avec son locataire pour éviter notamment une procédure L145-38 qui sera incertaine, longue et coûteuse. Donc la synthèse de tout ça sur le Covid, mon analyse, puisque je travaille effectivement pour les bailleurs et les preneurs, mais c'est pas lié qu'à ça, c'est que je pense que on ne sortira pas par le haut sans négociation de gré à gré. Alors il y a eu des communications des bailleurs et des preneurs, des instances représentatives, mais au-delà de ça, je crois qu'il faut une négociation de gré à gré au cas par cas. Chaque bailleur n'est pas identique. Il y a des gros institutionnels, il y a des particuliers avec des endettements qui ont besoin de ça pour leur retraite. C'est au cas par cas. Et chaque bailleur ne peut pas faire le même effort, comme chaque locataire ne peut pas faire le même effort. Donc, il faut trouver un équilibre. Et clairement, au cas par cas, si le locataire peut partir, parce que la fin de la période triennale est très rapide et arrive très, très prochainement, et où est en fin de bail, bah le bailleur aura peut-être tendance, s'il a un risque d'avoir de la vacance, ce qui ne sera peut-être pas évident de trouver un autre locataire, de faire des efforts. Donc moi, je crois que aujourd'hui, la vraie tendance, et j'en finirai par là, et j'ai, pardon, 4 minutes de retard, c'est que aujourd'hui, la difficulté, elle est post-Covid, sauf pour les restaurants, bien évidemment, qui sont fermés, mais pour les commerces qui ont réouvert, la vraie difficulté, elle est post-Covid, c'est comment on va assurer la pérennité de l'activité post-Covid avec une crise économique. Et donc aujourd'hui, alors qu'au départ, on se focalisait sur la période d'interdiction, véritablement aujourd'hui, les débats ils sont plutôt sur la période post-Covid et notamment comment on peut accompagner les locataires. Et là, le bailleur, effectivement, s'il n'a aucun intérêt à accompagner le locataire parce que le loyer est très faible et où il a déjà quelqu'un derrière, bah, il ne fera pas trop d'efforts, il éventuellement acceptera mensualisation parce qu'il faut quand même de bonne foi dans l'exécution des contrats ou rien du tout, mais il faut être de bonne foi, il faut l'expliquer pourquoi. Dans le cadre d'un futur contentieux. Et s'il veut absolument garder son locataire, parce qu'il sait que ça va être difficile, qu'il y aura des pertes de valeur, et bien il faut aménager temporairement, éventuellement, ou signer un nouveau bail, les conditions, notamment financières, et ou
de modalités de paiement pendant une durée éventuellement déterminée, ou ce que vous êtes à l'heure, prévoir un pur variable pendant un certain temps, etc., etc. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je vous écoute. Si vous pouvez parler. Véronique, je ne vous entends pas. Alors juste pour ceux qui m'entendent, je n'ai pas la main sur pour justement. Véronique apparaît. Alors, excusez-moi, j'ai un problème de caméra, donc je vais la couper. C'est pas grave. Nous n'avons pas de questions pour l'instant, puisque tout était très clair d'après les commentaires. Bon, et ben écoutez, n'hésitez pas, parce que je sais que c'est pas facile, mais enfin, alors en l'occurrence par chat. C'est un peu plus facile. Alors après, il faut écrire. C'est juste, c'est plus difficile qu'à l'oral. Mais n'hésitez pas sur ces sujets-là ou d'autres. Hein, pour ceux qui me connaissent, je suis assez flexible. Donc, tant mieux si j'ai été clair. Mais je suis convaincu que vous avez des questions, surtout qu'en 40 minutes, c'est toujours un peu compliqué. Parce que finalement, j'ai respecté les 40 minutes, parce qu'on a commencé un peu en retard. Vous voyez, finalement, j'ai respecté le timing. Mais voilà, bon, s'il n'y a pas de questions, après, vous avez sûrement autre chose à faire que de me parler, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas, je suis à votre service. De toute façon, nous enverrons la présentation avec votre intervention, et puis on est en contact les personnes sans problème. Oui, et puis de toute façon, je vous dis, on fera, alors on avait prévu, hein, pour ceux qui, alors c'était pas, on avait prévu une actualité, ce qu'on fait tous les ans à peu près, législative et jurisprudentielle. Mais là, on avait considéré avec le MEDEF qui était prévu au mois de juin, pardon, et on a prévu qu'il fallait quand même un peu anticiper tout ça sur un format plus court pour parler notamment du Covid. Parce que je pense que c'est le sujet pour les locataires, c'est un sujet important. Et alors, peut-être un point sur les bureaux, parce que les bureaux, finalement, n'étaient pas, il n'y avait pas d'obligation de fermer. Hein, donc, ça pose un vrai sujet pour tout le monde, hein, notamment les avocats qui sont locataires. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut se prévaloir des dispositions dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est sûr que la situation est plus difficile, hein, parce qu'on peut ouvrir. Après, il y a quand même des contraintes et des recommandations gouvernementales d'avoir recours au télétravail qui font que quand même cette liberté, elle est relative. Donc, pour résumer, quand on est dans des bureaux, c'est la situation juridique est un peu plus fragile que des commerces fermiers. Mais bon, et de toute façon, je crois, et je me répète, c'est que au-delà des arguments juridiques, et moi, effectivement, quand j'ai dû intervenir pour les locataires, ou bailleur, la réponse, je pense que la réponse, peut-être plus du bailleur, dire, bon, voilà, vous ne remplissez pas les critères des différents arguments législatifs qu'on peut prendre, les dispositions, etc. Je crois que, enfin, on est dans un cas tellement exceptionnel que c'est intéressant d'avoir des fondements juridiques, mais au-delà de ça, je vous dis, c'est vraiment du cas par cas. Et dans les courriers, c'était plus faire état d'une situation assez dramatique et d'essayer de trouver des accords, si possible. Hein. Et je vous dis, après, il ne faut pas que le Covid soit un prétexte pour un bailleur ou pour un preneur. C'est-à-dire que si c'est pas il n'y a pas de préjudice, ou le préjudice pardon, est relatif, il n'est pas, comment dirais-je,
il n'est pas choquant et il n'y a pas d'atteinte à la bonne foi qu'un bailleur renonce ou refuse. Si par contre le locataire lui démontre qu'il est vraiment dans une situation financière très difficile, bon, ce sera un peu différent. Et puis je répète, hein, moi ma conviction, ce sera ce qu'elle est, c'est, tout dépend. Voilà, je finis juste ma phrase. Tout dépend effectivement. Est-ce que le bailleur veut garder son locataire ou pas ? S'il veut garder son locataire, il a intérêt à faire des efforts. Voilà, parce que la situation, elle est objectivement difficile. Mais par contre, il faut qu'il y ait des contreparties. C'est-à-dire que si le bailleur accepte de faire des efforts, il faut aussi que le locataire ne puisse pas partir au bout de 15 jours. Donc, l'augmentation d'une durée, etc. Ou s'assurer que ces dispositions transitoires ne seront pas transférables à un tiers. C'est-à-dire, je cède mon fonds de commerce juste après, il ne faut pas que ces dispositions s'appliquent. L'idée, c'est d'assurer une pérennité. Voilà. Je vous laisse parler, pardon. Alors, j'ai une question sur la force majeure. Dans quel cas peut-elle être invoquée ? Alors, lié au Covid, hein, j'imagine. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, le principe même du Covid-19, sous réserve que le contrat ait été signé avant le fin janvier, parce que l'OMS a commencé à communiquer fin janvier hein, sur le caractère véritablement de pandémie, etc. Donc, à mon avis, il y a un débat sur la date, mais en gros, si on veut être prudent, tout ce qui a été signé avant le 31 décembre ou allez, le 30 janvier 2020, à mon avis, peut invoquer la force majeure. Mais encore une fois, est-ce que les juges demain considéreront qu'il y a un cas de force majeure alors même que bon, il y a une fermeture temporaire, mais est-ce que ça remet en cause la pérennité de l'activité ? Il y aura un débat, ce sera au cas par cas. Et ça va durer très longtemps, hein, parce que la vérité, c'est que là, on ira au fond. Alors, c'est plutôt le locataire a refusé de payer et ce sera au bailleur d'attaquer, hein, vraisemblablement. C'est plutôt comme ça que je le vois. Mais ça durera 2 ans. Parce qu'en ayant référé, ce ne sera jamais tranché, il y aura une contestation sérieuse. Donc, vous avez un contentieux en première instance de 2 ans à peu près. Donc, est-ce que l'intérêt du bailleur et du preneur, c'est d'attendre 2 ans, quitte à ce que l'activité périclite voilà. Il y a des fondements juridiques, mais après, je vous dis, c'est un peu… C'est bien d'en avoir, parce que si vous n'avez aucun fondement juridique, c'est difficile de négocier. Voilà, je pense que y a des cas, alors c'est plutôt sur les pertes d'exploitation. Il y a des annonces de recours contre les assureurs, qui est autre chose. Mais est-ce qu'on aura des cas sur la force majeure ? Peut-être. Mais ce sera. Et de toute façon, il n'y aura pas une position de principe de jurisprudence. Il y aura peut-être sur le caractère irrésistible. Là, lié au Covid, peut-être que là, ce sera un peu près général, mais ce sera après, quoi qu'il arrive, du cas par cas. Mais s'il y a une ouverture, effectivement, ça permettra au locataire voilà. Mais je pense que ce sera ce motif de force majeure et ou d'imprévision et ou d'inexécution des obligations, c'est plutôt dans le cadre d'une négociation. Parce que je pense que c'est un peu vain d'aller au contentieux et c'est très long et ce sera d'autant plus long que les juridictions ont été fermées, donc les délais vont augmenter de fait, hein, parce qu'il n'y a pas plus de magistrats et voilà. Je vous écoute, Véronique. Alors, j'ai une autre question. Nous avons un locataire, Société Holding, qui loue un entrepôt pour y préparer des fournitures pour ses affiliés restaurateurs, qui a fermé son entrepôt, arrêté son activité et qui ne paie plus les loyers depuis mars et qui ne répond plus. Que faire ? Donc là, on est du côté bailleur. Tant qu'on était dans la période de fermeture, notamment des juridictions. Alors, il y avait les référés, mais c'était quasiment impossible. Donc là, il y a c'est les ordonnances dont je vais parler. Si on est dans la première ordonnance, il y a des critères qui permettent de suspendre les effets des pénalités et compagnie et des clauses résolutoires, mais il faut que le locataire remplisse. Donc, je vous renvoie à ma première ordonnance que je vous indiquais. Il faut vérifier si le locataire remplit ses critères ou pas. Et s'il ne remplit pas ses critères, est-ce qu'il pourra invoquer la deuxième ordonnance. Donc après, le risque, c'est quoi ? C'est que si je fais un commandement, d'abord, il faut faire des LRAR pour relancer le locataire, et après, c'est éventuellement de faire des commandements visant la clause résolutoire, mais il n'est pas sous réserve qu'on soit effectivement, il y a ce problème de suspension des effets d'un commandement dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ici au 23 juin, vous ne pouvez rien faire. Même avec la deuxième ordonnance, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous pouvez juste faire une LRAR et ou faire un commandement, mais ça reportera, vous pouvez le faire maintenant, mais ça reportera les effets après le 23, après le 24. Et ça, donc, finalement, il y aura 30 jours après. Donc, ça change pas grand-chose. Vous l'aurez au moins fait délivrer, vous serez sûr qu'il partira à partir du 24 juin. Après, il ne faut pas exclure que dans le cadre d'un commandement, le commandement doit être fait de bonne foi. Donc, est-ce que si vous faites un commandement
que le locataire ne paye pas dans les 30 jours, qui fait éventuellement il fait opposition ou que vous saisissiez le juge des référés, qu'il ne conteste pas la validité en disant vous êtes de mauvaise foi, compte tenu du contexte, ce n'est pas exclure. Donc je pense qu'en référé, ça va être compliqué si, et encore une fois, j'ai conscience des difficultés pour les bailleurs. Donc en fait, tout dépendra du cas par cas. Si ça remet en cause la pérennité de l'activité du bailleur, effectivement, il peut engager la procédure. Il y a cette période qui est figée, donc malheureusement pour lui, jusqu'au mois de juin. Et dans le premier cas, encore plus long, je vous l'ai dit, au mois de septembre, si on est dans les critères très précis pour les entreprises, bon, il n'y en aura pas beaucoup, qui vont relever de ce premier cas. Mais effectivement, voilà, ça va être difficile et je ne vois pas autre chose que de faire des LRAR dans un premier temps. Et c'est pour ça que je pousse à la négociation. C'est-à-dire qu'il vaut mieux trouver un accord sur un paiement éventuellement échelonné plutôt que de devoir faire un contentieux qui, pour l'instant, est impossible et qui, quoi qu'il arrive, une fois que ce sera possible, sera sujet à contestation et où, une fois qu'on ira devant le juge des référés, il y aura un risque de contestation sérieuse et, en toute hypothèse, les délais risquent d'être quand même relativement longs parce que ce sera moins urgent qu'autre chose. Et donc, pour obtenir des dates, alors ça dépend des villes, Bordeaux, Paris et compagnie, ce ne sera pas la même chose, mais les délais peuvent être assez longs puisqu'on relève du tribunal de grande instance et pas du tribunal de commerce en matière de baux commerciaux. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Vous m'interrompez, donc effectivement, oui, on est devant le TGI en matière de baux commerciaux, on est soit le juge des loyers pour tout ce qui est loyer et tribunal de grande instance pour tout ce qui est autre. Donc c'est vrai que là, en l'occurrence, si on demande le commandement faisant la cause auditoire, ce serait le tribunal de grande instance. À un moment, il y avait un débat tribunal de commerce, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, les délais devant le tribunal de commerce, notamment de Bordeaux, et du tribunal de grande instance, qui est devenu le tribunal judiciaire, ne sont pas les mêmes. Et il y a, sauf erreur, je n'ai pas vérifié pour Bordeaux, mais il y avait des audiences qui étaient tenues virtuellement, par conf-call, etc., ce qui n'est pas le cas du tribunal de grande instance, il y avait très peu d'audiences. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une accumulation de dossiers, peut-être, ils vont peut-être essayer d'épurer les anciens dossiers, les dossiers en cours, donc c'est vrai que ça va être long, un peu incertain, il faut être honnête, et un peu coûteux, parce qu'il y aura des frais de commandement, d'huissier, éventuellement d'avocats, une durée assez longue. Donc c'est toujours des contentieux un peu difficiles et il n'est pas, si vous visez la clause auditoire, le locataire obtiendra des délais de paiement. Enfin, je ne vois pas comment un juge, parce que comme vous le savez, le locataire a 30 jours pour payer. S'il ne paye pas, il peut s'y opposer dans les 30 jours, ce qui est préférable quand on est côté locataire. S'il ne fait rien, il n'y a pas forcément acquisition de la clause résolutoire. Il faut que le bailleur aille malgré tout devant le juge. Et s'il va en référer, le locataire pourra toujours se prévaloir de la situation exceptionnelle pour se prévaloir à titre principal d'une contestation sérieuse et à titre subsidiaire, dire « moi, je demande des délais de paiement sur 2 ans, par exemple ». En justifiant la situation, et c'était déjà le cas avant, compte tenu du caractère exceptionnel du Covid, ce sera d'autant plus facile, je pense. Donc, je me répète que ça va être… les LRAR, c'est indispensable, les parties doivent exécuter de bonne foi. À minima, quand on est bailleur, à mon avis, il faut dire, écoutez, justifiez-moi de votre situation, parce qu'il ne faut pas être de mauvaise foi non plus, côté locataire, donc justifiez-moi de votre situation. Si vous êtes dans une situation dramatique, envisageons des modalités d'aménagement, de la périodicité, par exemple, du paiement de loyer. Vous payez mensuellement, trimestriellement, et peut-être que pour la période d'interdiction d'ouverture, c'est reporté, comme l'ont prévu certaines instances représentatives, c'est reporté au mois de septembre et vous l'étalez jusqu'au 31 décembre. Mais voilà, ça peut vous surprendre de la part d'un avocat qui fait aussi du contentieux de ne pas aller au contentieux, mais de préconiser de ne pas aller au contentieux. Mais je pense que les enjeux, ils dépassent bien. D'abord, il y a cette période de deux mois, et il y a la période aujourd'hui qui est beaucoup plus, à mon avis, problématique. Et je pense qu'il vaut mieux un bon accord global plutôt qu'un contentieux qui va être, en tout cas du point de vue bailleur, long et un peu incertain, et même pour le locataire. Mais le locataire, les enjeux, ils seront quoi? Ils seront de 2 mois. Donc, on parle aussi ça, c'est qu'on est aujourd'hui sur, en cas de contentieux, sauf les restaurants, on parle de 2 mois. Donc, est-ce que 2 mois de loyer, qu'on soit bailleur ou preneur, ça justifie un contentieux? J'en suis pas certain. Par contre, d'essayer de trouver, de se prévaloir de cette difficulté des 2 mois pour dire, et de la crise économique pour essayer de trouver de réaménager à l'amiable le bail de façon équilibrée, encore une fois, ça ne peut pas être que dans l'intérêt du locataire, c'est un contrat qui lie 2 parties et il faut trouver un certain équilibre. Alors, je suis peut-être très optimiste, mais je suis quand même bailleur et preneur et donc je sais à peu près, voilà, je l'ai dit moi, alors ce n'est pas pour me faire mousser, j'ai fait des articles, etc. Et dès le départ, j'avais été interviewé
Et mon sentiment, c'est que ça ne pouvait pas passer par autre chose que de la négociation équilibrée et au cas par cas, selon la situation du locataire, il est petit, il est gros, du bailleur, il est petit, il est gros, il a un endettement, il n'a pas un endettement, coté ou pas, et voilà. Mais les parties doivent être de bonne foi, et c'est clair que si le locataire n'a jamais écrit à son bailleur pour lui dire « je ne paye pas le loyer », il est de mauvaise foi. Il faut être de bonne foi, et donc il fallait écrire plutôt avant le 1er avril pour dire « je ne paye pas », parce que c'est une faute hein, sur le principe, mais là on a un cas exceptionnel, et le bailleur, quand il reçoit une demande de son locataire, doit répondre de bonne foi. Sans obligation hein, d'accepter quoi que ce soit. Mais après, il en assume les conséquences et éventuellement contentieux. Merci. je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que vous souhaiteriez rajouter quelque chose. Non, enfin, je sais pas. Non, mais voilà. Si, ou peut-être, parce que je peux toujours parler. Ça, c'est le problème des juristes. Encore plus des avocats. Mais on va surtout... Bon, déjà, merci d'avoir posé finalement la question. Je crois que c'est important. Il y a le côté un peu, effectivement, moins interactif, hein, mais qui, bon, finalement, marche quand même. Hein, voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au MEDEF. Et puis, je vous dis, on aura l'occasion de se revoir, je pense, dans pas trop longtemps. On aura plus de recul. Voilà, je pense que, mais voilà, je sincèrement, le droit, ça va vous surprendre aussi, le droit c'est une chose, la négociation en est une autre. Après, pour négocier, c'est mieux d'avoir des arguments juridiques. Voilà, après, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas une position de principe, mais vous l'avez vu dans mes commentaires, j'ai essayé de prendre la position bailleur-preneur parce que c'est au cas par cas, et voilà. Mais moi, mon gros sujet maintenant, et on l'avait pas anticipé comme ça, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, je vous dis, les restaurants, c'est relativement dramatique. Après, on a une vraie hein, crise sanitaire, vous le savez mieux que moi. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Parce que la vraie inquiétude de certains bailleurs, c'est de perdre leurs locataires. Et après, pour recommercialiser, c'est difficile. Et là, je distingue le bureau du commerce, hein, mais le pied d'immeuble, notamment à Bordeaux, il y avait eu, bon, comme vous le savez, les gilets jaunes, certaines grèves qui avaient quand même un peu affaibli le commerce. Les bailleurs avaient plutôt refusé de négocier à l'époque. Là, ça me semble difficile de refuser. Et en termes de communication, ce sera difficile. C'est-à-dire que là, il y a un effort national qui est demandé. Alors, ce n'est pas aux bailleurs de supporter l'intégralité de l'effort, contrairement à ce qu'on a pu voir dans certains articles. Et pour conclure, bon, les articles, ça va toujours dans un sens ou dans l'autre. Quand on est pro-locataire, on va aller un peu à l'excès. Quand on est pro-bailleur, on va peut-être aller à l'excès. Et la vérité, elle est entre les deux. Sous réserve, encore une fois, que les parties agissent de bonne foi. Et voilà, qu'on puisse justifier et qu'on n'entende pas se prévaloir d'une situation exceptionnelle pour finalement sortir du dossier alors que voilà, parce qu'on voulait déjà sortir avant, ou renégocier de A à Z un contrat. Parce que c'est clair que devant le juge, ce ne sera pas comme ça, on n'ira pas aussi loin. Voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, je ne peux pas réapparaître. dans tous les cas, nous mettrons cette intervention sur notre chaîne YouTube et relayée sur les réseaux sociaux, et nous sommes à disposition. Si vous avez besoin de rentrer en contact ou d'avoir des informations complémentaires. À très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que les soucis techniques ne seront pas courants dans les prochaines interventions. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.